Il faut savoir qu'une servitude... Chercher l'erreur. Sur ces 30 élèves de BTS, 10 ne sont que des lycéens. Donc il nous reste une dernière chose à noter. Ça va être ce que nous dit l'article 702 du Code civil. C'est qu'en fait, ils sont venus, parfois d'assez loin, pour se mettre dans la peau d'étudiants en métier de l'immobilier. Un parachutage 100% authentique dans leur futur biotope. Je viens du lycée Condorcet à Belfort. Vous êtes très motivée alors pour venir faire cette formation. Oui. J'étais la seule de ma classe à vouloir faire une journée de 24 heures dans le supérieur. Une personne n'était intéressée. Puis moi, je me suis dit, c'est l'occasion pour moi de vraiment découvrir en fait, le milieu où c'est. Donc. 24 heures dans le supérieur propose aux élèves de première de tester deux demi-journées en formation post-bac. Une vraie bonne idée, brevetée par l'Académie, et une vraie chance pour les lycéens. Leur participation a d'ailleurs été multipliée par 10 en 10 ans. 2000 élèves explorent ainsi quelques 250 filières en toute autonomie. Il appartient à l'élève d'aller consulter les offres de formation disponibles sur notre site, d'aller s'inscrire, c'est-à-dire de faire les démarches, d'appeler le lycée ou l'établissement qui accueille, ou d'envoyer son formulaire d'inscription. Je vais vous montrer l'anglais. Échanger avec celles et ceux qui sont déjà dans le bain a surtout le mérite d'éviter la tragique sortie de route. Depuis qu'on a ouvert en 2006, on n'a jamais terminé une seule année. Une seule fois, on n'a jamais emmené une promo entièrement jusqu'à l'examen. C'est-à-dire qu'en fait, on démarre à 24 et on termine à 18, 19, 20. On a toujours qui s'en vont. Alors moi, ça me gêne toujours beaucoup, parce que ceux qui s'en vont ont pris la place de quelqu'un qui avait très envie de faire ça. Et au final, c'est problématique. Et pour ceux qui sortent confortés dans leur vocation, reste à vaincre un obstacle de taille, Parcoursup.